où tu dois ramasser le fric sur les gens que tu tues, et celui-là qui a le plus de fric, il est plus puissant et machin, chouchouette. Arme secondaire, j'en ai qu'une. RM secondaire. Suis en train de voir pour faire mes classes. Oh, j'ai même pas encore fait, moi je prends toujours je prends celle qui heal là aussi avec les cheveux afro-américains là. La grosse touffe de cheveux, je prends ce perso là. Ok, donc pour l'instant je peux pas faire grand chose au niveau des classes, je peux juste avoir une arme principale et une arme secondaire. Faut débloquer, c'est peut-être pour ça. Ouais. J'avais voulu changer de sniper. Occupation. Ah ça, j'ai pas encore eu, je crois. Oh, la statue des libertés a plus de tête. Moi, par contre, le mode là où vous pouvez escorter un drone, je l'aime pas ce mode. Ça va, moi, ça me dérange pas. Je l'ai une ou deux fois hier. J'ai gagné pas mal mes games hier, en vrai. Moi, je les ai toutes perdues. Sérieux? Ouais. Je Moi, crois que toutes j'en là, j'ai ai, je perdu. crois que j'en ai perdu. En 1 heure et demie, j'ai dû en perdre une, je crois, et encore, je suis pas sûr. En Ah, fait, cette le mode map-là, je l'ai pas escorte. encore eue. Le mode escorte, je l'aime bien, genre dans. Dans Overwatch, c'est sympa, mais le problème c'est que autrement. D'ailleurs, l'ulti du perso que j'ai, il est incroyable. Genre, quand tu utilises cet ulti, tu vois tes adversaires à travers les murs, et t'as un pistolet qui one-shot tout ce que tu touches. Ah ouais, c'est le mode point stratégique de Call of, ça. En gros, hein. Oh putain! Mais genre, c'est moi qui me prends le drone dans la tronche ou je sais pas ce que c'était. Je crois que je me souviens de cette map dans la bêta. Mais je l'ai pas eu hier, il me semble. Putain. Par contre, il y a trop de cachettes sur cette map, ça me gonfle déjà. Premier kill, allez. Ah putain, pas deuxième. Merde, elle est où? Hein, là? Oh putain. Ah, de derrière. Oh putain. Oh putain. Le problème c'est qu'il y a trop d'endroits par où ils peuvent arriver, c'est chiant. Oui.
Mais comment ça, je me suis tué tout seul, je vais lancer une grenade. La zone de capture change d'emplacement. Oh putain. Merde. La situation a changé. La se déplace. Je suis dans le dur, là j'ai 2 kills. Oh, je suis trop fort. On a le vent avec nous. Transporteur. On se fait dégommer. Oui. Et moi perso j'ai plus. J'ai pas de shoot. Moi non plus. Non mais là je suis sur lui, il meurt pas. Faut m'expliquer. On est sur la zone. Protégez la zone. Zone de capture contestée. Merde, on doit glisser. Merde, j'ai failli réussir mon coup. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? La zone de capture se déplace. Protégez la zone. J'utilise mon camouflage. Peu importe la victoire. Pouf. Ah ouais, bah là c'est sans appel. Ça c'est une branlée. Quand tu votes, ça fait quoi? Je sais pas. Là je prends un 200 d'XP. Ouais, ouais. Niveau 4 d'armes. Bon bah j'ai fait une game à chier.
J'ai fait 5 kills, je suis mort 17 fois. Ah, tu sais qu'on m'a inventé une vie au boulot? Ouais. L'autre jour, j'arrive au boulot et j'entends dans la salle du personnel que ça parle de moi. Je dis bon, bah, je vais faire ma crâneuse, je vais rester derrière la porte, je vais écouter, ça m'intéresse. Et au fait, t'en as une qui sort avec un des managers. Ah, ils sont en couple, quoi. Et j'entends une collègue qui lui demande, ouais, est-ce qu'un jour t'aurais pas peur qu'il y ait une nouvelle ou quoi, ou qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et tout? Elle lui dit non, pas trop. Et puis elle lui demande, ouais, est-ce que t'as déjà remarqué que quelqu'un draguerait ton mec ou autre, ou que tu penses que il plaît à quelqu'un d'ici? Elle dit ouais. Et du coup, la collègue, elle lui demande, ah ouais, qui? Ah, Aurélie et tout. Elle le regarde avec les yeux de l'amour qu'elle lui dit. Je dis non, mais c'est une blague! Et elle dit ouais, elle lui parle beaucoup et tout, mais ouais, mais c'est le manager en service, donc forcément, quand j'ai un problème, je suis obligé de lui demander de m'aider. C'est logique. Non, tu te démerdes toute seule. Allumeuse. Ouais, c'est ça, je lui parle, donc je suis une allumeuse. Non, mais j'en peux plus. Son mec est tapis sur son nez, il y a encore du lait qui sort, s'il te plaît. Ah merde, de derrière moi, fait chier. Enfin bref, elle s'est fait tout un film autour de moi. Je suis une menace apparemment. Donc du coup, ce que j'ai fait moi l'autre jour quand j'étais travailler, c'est que j'ai fait un peu attention, du coup, à ne pas trop lui parler vu que c'est interdit, tu vois. Sauf que monsieur avait envie de taper la discute. Donc c'est lui-même qui venait me voir pendant que je faisais mes boissons. Ouais, ça va, Ali? Quoi de neuf? J'avais pas envie d'être impoli, quoi, mais j'avais envie de lui dire, écoute, voilà, t'es bien gentil, mais j'ai pas trop envie de discuter, surtout que ta copine, elle va encore se faire un film pour rien. Mais comment ça, je le tue pas? Putain. J'ouvre une capsule de soin. Frag lancé. Ah, mais prends tes balles aussi. Et du coup, toi, tu penses que le jeu il va marcher ou tu penses ça va s'estomper avec le temps? Pense que c'est un jeu Ubisoft, donc un jeu Ubisoft gratuit, donc je pense que ça va mourir. Ouais. Ah, Ubisoft, disons que dernièrement, ils ont pas tendance à savoir faire, à savoir garder les joueurs sur leur jeu en ligne. Ah bah ça, s'ils font de la merde. Il m'énerve lui avec sa capsule de protection là, ça me casse les couilles. C'est con parce que en soi, bah, tous les gens qui savent pas se payer un Call of. Ah, peut-être que là-dessus ça pourrait marcher effectivement, mais. Bah, il faut qu'ils prévoient des mises à jour, des trucs que le jeu il reste pas à l'abandon, comme Fall Guys, quoi.
Mais ce sac à merde. L'ennemi attaque la zone B. Oh, j'ai pas de shoot. Mais d'où il me met, il me touche à peine, il me tue. Je comprends pas. Je vais prendre un sandwich. Merde, j'ai plus de balles. Oh là là. Oh putain! J'ai réussi un petit triple kill là, c'était incroyable. Mais chier! Ça me casse les couilles! Oi oi oi, le shoot, j'ai tiré 5 mètres à côté. Non mais... Il se déplace sur la zone B. Ultime chargé. J'ouvre une capsule de soin. Putain. Encore chance que je suis là, hein, bordel. Et merde. Fais chier.
C'est le cas de le dire. Il m'énerve lui, hein, Vincent, machin. Oh putain. Oh sérieux? Oh le seum. Ah, j'ai fait 6 captures de zone. Fier de moi. Ah, toi aussi. Ouais. C'est ça que les gens, ils ont tendance à oublier. Dans ce genre de mode, si c'est qu'il y en a beaucoup, ils s'en foutent de l'objectif. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un maximum de kills. C'est dommage parce qu'au final, on s'en fout que tu gagnes la partie avec 2 kills ou avec 20 kills. Ce qui compte, c'est de la gagner en soi. Ok, je suis passé niveau 5 sur mon arme. Au fait, question, tu sais quand tu vas dans les armes, donc tu vois le niveau de ton arme et les trucs qu'elle a débloqués, et quand tu les débloques, il les met automatiquement dessus? Je sais pas. Parce que moi je vois nulle part où il faudrait aller pour modifier ton arme ou autre. Ah, c'est ce que oh, t'aimes pas. C'est ce que t'aimes pas. J'aimerais bien pouvoir choisir mon perso. Allô? À l'huile? Bon bah je crois que mon jeu a décidé de planter. Bah je te vois. Ouais mais moi je ne peux rien faire, je suis bloqué sur le chargement. Ah, bah je sais pas, ça va peut-être se défreeze. Hein. Bon je reviens pendant que ça fait ça. Violence! Coucou Amélie, comment ça va? Non mais...
moi j'ai redémarré le jeu. Ok. Merde. Ça win pas pour l'instant. Hier j'ai autant j'ai gagné toutes mes games là. Continuez de faire avancer le paquet. Ouais bah on essaye monsieur. Ça pète de partout. Oh ouais, mais comment tu veux faire? Dis-moi, merde. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Henri. Où ça? Ah là-bas. Oh putain, bâtard. Ah voilà. Vous êtes en défense. Repoussez le paquet ennemi. Mais je suis sur lui.
Oh putain. Je me suis fait arnaquer là. Merde. J'étais bien là, fais chier. Oh, je rate toutes mes balles, c'est incroyable. Putain, il était à une balle, fait chier. Tu regardes encore comme bêtise. Je t'attends. Allez, ça dégage. Mais non, d'où elle sait venir par là? Il y a trop de cachettes, ça me rend ouf. Les ennemis morts ne peuvent pas acheminer le paquet. Logique de guérilla. Sans blague. Ça, c'est de l'info, ça. Putain. Ils sont bien positionnés tactiquement, ces bâtards. Là derrière son truc. L'ennemi se rapproche du point de contrôle. L'ennemi a encore atteint un point de contrôle. Guerrier avec moi. Putain. De merde. C'est le cas de le dire. Je parie qu'on va encore perdre de justesse. Oh putain.
bientôt fini, camarade. Oh! Dis-moi qu'on a gagné, s'il vous plaît! Oh putain! La différence quoi, 100%, 98,7%! Punaise! Attends, du coup, est-ce que t'es là? Normalement, le jeu est relancé chez moi. Hop. Amitos, inviteos. Normalement, tu devrais avoir reçu une invitation. Yeah, si. Ya. Ya. Ou né. J'en peux plus de moi. Eh ouais. Du coup, ben maintenant, au McDo, je suis considérée comme une sale cougar qui drague les petits jeunes, apparemment. Apparemment. Enfin, cougar, ça va, il a 23 ans quand même, c'est pas si... Il y a que 5 ans de différence, le mot cougar est peut-être un peu exagéré, tu sais. Non. J'aurais peut-être pas dit cougar, j'aurais dit que t'étais juste une allumeuse. Ouais, bah l'allumeuse, elle, si elle continue son cinéma, l'autre, je vais lui dire en pleine face que son mec il m'intéresse pas du tout. Il y en a un par contre, je sais pas s'il est en couple, mais il est nouveau. Qu'est-ce qu'il est canon. Et les collègues ne peuvent pas dire le contraire parce que tout le monde le mate. Pas tous le mater en le bavant. Lui, je le mate, je l'avoue. Par contre, son mec, pas du tout mon style d'homme. Genre, il est épais comme une crevette, je lui fais tix, il vole en Katmandou, fait 30 kilos le gars. Quand même. Puis moi j'ai un minimum de principe, c'est de pas draguer les mecs qui sont en couple. Oh merde! Le con! J'ai voulu descendre pour tuer un mec, je suis tombé dans le vide. J'ai pas beaucoup de ta gueule parce que je crois que j'ai fait littéralement la même connerie que toi. Ah, mais il m'énerve déjà à être chaud au snipe, les gens! Mais comment ça, je l'ai pas touché? Oh, j'en ai enfin eu un. Hein. Ça m'étonne qu'il n'y a pas un truc du style match à mort par équipe comme mode. Bon, ça va peut-être arriver, tu me diras, mais... Hmm ? Bon, j'arrive à que dalle par contre, hein.
Non. Mais... Oh Yamze, je me fais attaquer là. Je n'ai pas de shoot toute la sainte journée. J'ai que un kill, c'est infâme. Geronimo! Aïe. J'aurais essayé. Mais d'où il a plus de vie, lui? Mais non, j'ai même pas réussi à le buter quoi. Il était à une balle. Mais il est où? Putain, mais... Vous fait chier ce jeu. Chaque fois j'ai un putain de bug qui fait en sorte que je balance pas mes grenades, elles se lancent à mes pieds. J'ai le même bug, je te rassure. Enfin moi c'est plutôt qu'elle veut pas que j'appuie sur la touche et qu'elle veut pas se lancer. Non mais il m'a suivi jusqu'à là lui. Quoi? Mais bien sûr. Dégage. La voix, elle dit quand même un peu nem, parfois c'est marrant.
Ouais, je me fais spawn kill. Bah voilà! La première victoire. Il me dit toutes les deux minutes, bienvenue sur X Défiante. C'est pour que tu te sentes la bienvenue. Mon petit dinosaure, ça va? Aïe, il dit coucouche. Ça va, les chiens, ils commencent de mieux en mieux à s'entendre, c'est cool. Par moments, on les laisse un peu ensemble dans le salon. Bon, quand il y a mon père, hein, parce que sinon, c'est une catastrophe. Mais du coup, il prend sur lui, tu vois. Attention, ce que je vais dire, c'est dégueu, mais elle lui lèche même le zizou. Et il dit rien. Si tu hurles, ça sera juste bien. Hier, il a même été dans son appartement, son bench là. Il s'est couché sur son coussin. Elle l'a regardé en mode ok, mais moi aussi je viens alors. Et du coup, elle s'est bien vécue. Elle s'est couchée à côté de lui dans son truc. Et il a pas grogné rien. Il m'épate. Mais ce qui est bizarre avec Billy, c'est que par exemple là, hier, il a rien dit pour tous ces trucs là. Et puis parfois, pour un truc beaucoup moins grave, genre limite, elle le regarde juste, il grogne. En fait, je crois qu'il est lunatique, mon chien. C'est un bipolaire.
Et donc là, il se map very much. Hein. Merde derrière. Les ennemis sont sur la zone. Sécurisation de la zone. La zone de capture change de placement. Comment ça, assistance? J'y mets toutes les balles, je me fais kiblo mon kill. Merci pour le follow, bienvenue. Je suis avec des assistantes depuis tout à l'heure. Moi j'ai fait une petite série de deux. Et là je suis mort. Non mais il y en a, ils s'en ont rien à foutre de l'objectif. Putain. Bon, je l'ai eu celui-là qui t'a buté. Allez, bim! Si la guérilla était si facile, il y aurait beaucoup moins de fascistes tyranniques dans le monde. Des fascistes tyranniques. Merde, au-dessus! Non mais comment ça il m'a touché? Sécurisation de la zone. Y'en a eu me casser les couilles avec leur sniper de merde. Ouais, tu peux attaquer le mec qui prend ton objectif quand tu peux tuer le mec qui est 10 km derrière. La situation a changé. La zone de capture se déplace. Je recueille des infos. Mais j'ai pas de shoot. Bon, j'ai fait un petit triplé là. Faites gaffe, un espion ennemi rôde avec ses lunettes de repérage. Zone de capture change d'emplacement. Il y en a un, je lui ai mis plein de tétasses. Il a rien compris à sa vie. Les ennemis sont sur la zone. Fais le plein.
Ouais, mais là, c'était compliqué. La situation a changé. La zone de capture se déplace. Zone de capture contestée. Sécurisation de la zone. La zone de capture charge d'emplacement. Protégez la zone. Aïe, aïe, aïe. Bon ben steak frites. Oh là là. Feu à volonté. Qui a demandé de la balle? Oh, l'ultime est prêt. Victoire. Les gens s'en souviennent. Bon, j'ai fait une bonne action sur la fin. Bah voilà. Comment ils font pour avoir des scores si élevés? 29 kills en général, ça aide pas mal. Moi par contre, l'objectif, je crois que je suis qu'on ait le plus pris. Moi j'ai soigné les gens, écoute. En face, ils avaient que deux mecs qui prenaient l'objectif. C'est ce que je dis, il y en a, ils jouent pas le jeu.
Bah, c'est encore une occupation. En sécurité, même lorsqu'elle se déplace. La zone est en danger. Putain, connasse. Je me fais dégommer le cul, c'est incroyable. Les ennemis sont sur la zone. Charge en vie. Vas-y, mais l'autre il se casse derrière aussi. Je l'ai eu, je l'ai eu. La zone de capture change d'emplacement. Mais je l'ai touché là, faut arrêter. Trop bien, on a un point. C'est Mims. C'est grâce à moi. Oh yes, j'en ai eu un à la grue. Bon, je la sens pas cette game. Je sais pas ce que tu veux dire ça, franchement. Le fait qu'on n'arrive pas à capturer un foutu point. Ah mais je me fais spawn kill, merde. Ah, je nous ai mis 4 points. Protégez la zone. Putain. Allez, dégage. On a le vent avec nous. Oh merde. Merde. M'énerve, fait là. On est sur la zone. Putain, j'ai vraiment pas de shoot. Thank you.
déployée. Frappe lancée. La zone est en danger. Merde, je l'ai pas vu lui. Son brûleur là. Zone de capture contestée. Sécurisation de la zone. Oh putain. Ah mais ça. Je tire de devant, derrière, à côté, à droite, à gauche. Comment tu veux faire? J'ouvre une capsule de soin. Connard. Je veux pas jouer les ravageurs. Cette bête va se terminer la tête dans la cul. La situation a changé. La zone de capture se déplace. Capture en cours. Barrière déployée. Barrière en place. Zone de capture change d'emplacement. Oh là là, on était dans le dur là. Pouf. Neuf éliminations au sniper. Ah oui.
Je crois que j'ai encore jamais eu cette map. Je me demande comment on change les trucs sur nos armes parce que ça change pas automatiquement. Dans le menu. Ah oh ben j'ai été voir dans le menu, je trouve pas. Il y a des assistances. Je crois que genre quand tu fais 3 quarts des dégâts à un mec, l'assistance ça compte pour un kill. Ouais, ça dépend combien de dégâts tu fais en effet. J'ai remarqué aussi. J'ai eu un kill et une assistance et l'assistance ça m'a compté. Oh, ce que je lui ai mis, let's go. Trop fier de moi. Bonjour, je m'incruste. Ennemi attaque la zone B. Grenade lancée. Oh, il y avait marqué sauveur sur mon écran pour une fois que je chauffe quelqu'un, bordel. Merde. Bon bah moi j'aurais buté le sniper. Hein. T'as mis le vocal du jeu toi? Parce que bon moi que je suis en stream j'ai éteint. Et comme je sais que t'aimes bien être maso et laisser les vocales sur ce genre de jeu. Alors clavier souris. Encore CV. Voilà. Il va faire combien dimanche? 20... Oh putain, jeudi, il va faire 23, je vais crever de chaud au boulot. C'est qu'il y en a un l'autre jour qui m'a dit au drive, vous avez l'air cerné, mademoiselle. J'y a de quoi quand on bosse au McDo. Il a rigolé. Oh, vous êtes cerné, Kimby. Je suis claqué, frère. Vous êtes cerné, rendez-vous. Vous êtes cerné de burger. Le burger a parlé, on sait que c'est toi. Tu sais, quand tu prends le drive toute la soirée et tous les 5 minutes, les gens te disent une glace, s'il vous plaît. Ouais, laquelle? Je suis pas devin, moi. Ouais, un truc au poulet, s'il vous plaît. Et putain, la moitié de la carte, c'est au poulet, alors va falloir être plus précis, hein. Une glace ou un truc au poulet, si vous voulez, je peux vous faire mix des deux. Je vous mets toute la carte, et puis... Vous avez de la samouraï, ici? C'est cru à la friterie, tu sais. Au point du fricadelle. Ah, une boulette. Non mais le pire c'est que j'ai déjà eu ça, hein. Une vieille dame qui venait je crois pour faire plaisir à son petit-fils qui a jamais bouffé McDo de sa vie. Ouais, une boulette et une viandelle s'il vous plaît. Je dis, mais on n'a pas ça ici. Ah, vous avez quoi alors qu'elle me dit? Bah des burgers et des frites. Ouais bah pas des bonnes frites, donc si vous voulez des frites pour votre gamin, je pense que mieux aller voir ailleurs si vous voulez. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les frites du McDo, et surtout les frites du McDo, pas qui sortent juste de la friteuse, mais qui traînent déjà un petit moment. C'est très bizarre. Mais dans un... Celui où la frite c'est une tradition, vous allez me dire qu'il y a des cons qui aiment les frites du McDo. Ouais. Ah, mais ceux qui, sont des... qui traînent déjà depuis un moment parce qu'elles deviennent un petit peu plus mous. À force. Nos amigos prennent
la zone B. Vous êtes pas un peu sadomaso dans ce pays? Écoute, il y a des gens sadomaso dans tous les pays. Hein. Moi, j'aime pas les frites du McDo. Hein. Ouais, mais de là, aimer les frites du McDo... Mais pourtant, tu manges au McDo toi aussi, donc c'est que t'aimes un minimum McDo quand même. Ouais, mais je prends des potatoes. Moi, je suis plus intelligent que les moyens. Ouais, mais nous, on en a pas en ce moment des potatoes à la carte. Ah, oh, c'est con. Genre, ils ont essayé à un moment au McDo. Enfin, je sais pas s'ils le font encore. Mais à un moment, ils ont essayé de faire comme Burger King et faire des frites au cheddar. Ouais, ils ont fait ça bah, chez nous aussi. Ça a duré un petit moment, mais moi, j'ai pas eu la... La chance de tester parce que quand j'ai repris le boulot, c'était juste fini. C'est juste mais ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'ai pas raté grand chose. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui demandent encore au drive. Oui, vous faites encore les frites au cheddar. Je te dis, t'es un pays de sadomaso. Putain, je me suis fait sniper. J'ai envie de dire, je suis sûr qu'il y en a dans ton pays qui veulent un meilleur moment. Ils prennent la zone B. Je dis, prends la zone C. Ils ont toutes les zones. C'est pas l'idéal. Oui, ben je fais ce que je peux. Hein. Les mecs ils me one shot avec des fusils d'assaut limite. Fais chier. Bonjour, comment tu vas? Bienvenue. Ouais, j'ai une balle de snipe qui m'a frôlé l'oreille ouze là. Ça va bien, merci. T'es sur le point de perdre la bataille, mais au moins le sort de la démocratie est défini. Ça rafraîchit. Putain. Zone compromise. Peu importe la victoire ou la défaite, camarade, mais vous avez perdu. Voilà, récupération de zone. Hein. Moi, je crois que je vais m'arrêter là. Ah oui, moi aussi, vu l'heure, je crois que je vais passer sur ma petite ferme avant d'aller sur Fortnite, si tu me rejoins après sur Fortnite. Oh. C'est 4 heures Fortnite, c'est ça? Ça peut être 3h30 aussi. On va voir à quelle heure je suis rentré. Rendez-vous chez le médecin dans un peu plus d'une demi-heure. Bon, du coup, je vais quand même une fois vérifier. Oui. Alors... Mon médecin est toujours à la bourre. Voilà, j'ai trouvé. Il y a un truc qui est pas mal par contre dans ce jeu. Ah, j'ai trouvé les camouflages aussi. Il y a un truc qui est cool dans ce jeu, c'est que genre t'as une option qui fait en sorte que quand tu recharges, ça t'interrompt pas.
Enfin, je veux dire, non, quand tu recharges, quand tu recharges et que tu vises, tu peux, genre, imagine, tu recharges parce que t'as 15 balles, mais t'as un mec qui te fonce dessus, dans Call of, t'étais mort. Là, si tu vises, ça annule le rechargement. Du coup, t'as quand même une chance de t'en sortir. Ouais.